Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Max, votre poulpe rouge préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur comment faire tenir une épée dans un bloc. Vous le savez peut-être, depuis Minecraft 1.8, il est possible maintenant d'afficher ses armures sur un porte-armure. Donc soit pour décorer votre maison, soit pour vous la péter parce que vous avez une armure super cheatée. Mais vous pouvez remarquer aussi qu'il n'y a pas les bras. Nous, on va se servir de ces bras pour afficher une épée sur le porte-armure. Alors avant de commencer, on va se préparer, on va prendre ce bloc. On va appuyer sur F3, on va récupérer les coordonnées du bloc ici. Donc vous vous téléportez à ces coordonnées. 209, espace 75, moins 14. Ça permet, lorsqu'on va faire spawner l'entité, qu'elle ne soit pas à cheval sur les deux blocs ici. Vous pouvez quitter donc le F3. Ensuite, vous faites un summon pour faire apparaître un porte-armure. Vous faites spawner cette armure aux coordonnées relatives à votre personnage, donc là où vous êtes. Et je vous conseille d'utiliser mes valeurs, puisqu'elles ont été réfléchies et elles fonctionnent correctement. Donc 0,4 pour X, moins 0,75 pour Y, et moins 0,5 pour Z. Donc ne faites pas encore entrer, on va utiliser un tag NBT, vous ouvrez donc une accolade et vous fermez cette accolade. On va donc demander à cette armure, à ce porte-armure, d'avoir les bras qui sont affichés. Et on va surtout définir un no gravity, de façon à ce que l'armure ne s'enfonce pas dans le sol lorsqu'on la fait spawner. Si vous mettez pas ça, l'armure va s'enfoncer dans le sol et ça fait pas joli. Donc l'armure a spawné, elle vise donc vers là-bas. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'inclinaison de ce bras pour que l'épée soit plantée, enfin qu'on pense que l'épée soit plantée dans le sol. Donc, vous prenez une épée, vous cliquez sur l'armure stand et elle apparaît dans les bras de Star Wars stand. Ensuite, on va gérer donc. Vous tapez la commande entity data. On va mettre un filtre donc pour les entités, @e, crochet ouvert, type, armor stand uniquement. Et n'oubliez pas de mettre un rayon, ça permet de ne pas altérer vos autres armures stand qui sont sur votre map, si vous avez fait des décorations. Pareil, on va utiliser donc un tag NBT, en disant que ces bras-là doivent être positionnés à une certaine façon. Donc on utilise pose, 2 points, ouvrir encore une autre accolade, de façon à ce qu'on puisse gérer le bras droit, donc right arm, 2 points, vous ouvrez un crochet, et là on va mettre des valeurs chiffrées en Java, donc avec un F, donc 80F0,0F0F, je vous conseille d'utiliser ces informations là, puisque ça fonctionne correctement, et en plus elle est bien plantée dans le bloc. Vous pouvez ensuite maintenant gérer l'invisibilité de cette armor stand. Donc vous revenez, vous tapez votre commande, vous tapez le tag NBT invisible, 2.1, et on fait disparaître l'armor stand. Vous pouvez tout aussi bien mettre votre invisible lorsque vous faites spawner votre armor stand ici. Ça marche aussi. Je peux même le rendre visible encore une fois pour tester. Voilà. Ensuite, on peut gérer aussi certaines informations ici qui permettent de rendre un peu plus réaliste votre épée, donc elle penche un peu et ça rend plus réaliste cet effet. Je vous propose une commande bonus, vous pouvez aussi bien retirer l'épée de votre armure stand comme ceci, ou alors vous pouvez aussi faire un kill uniquement d'une entité particulière, à savoir l'armor stand, et ça retirera évidemment, alors évidemment faut pas oublier le radius de 5 pour supprimer uniquement dans un rayon de 5 blocs autour de vous l'armor stand qui est devant nous. Voilà, comme ça elle a disparu. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve donc prochainement sur Millennium pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutoriels. A bientôt, c'était Pierre Max, votre poulpe rouge préféré.